Lorsque je traite des varices, je dirais que je m'adresse à deux types de clientèle. Il y a une clientèle qui présente un problème, qui est un problème dit esthétique. Des fois, j'appelle ça de la couperose des jambes. C'est les clientes qui peuvent être très au fait de leurs jambes, puis ils voient des vaisseaux qui sont pratiquement d'allure microscopique, puis parfois, c'est vraiment pas élégant. Et donc, on va traiter ces clientes-là avec des produits qui sont légers, parce que c'est des micro-vaisseaux qu'il faut aller traiter. Il y a un autre type de clientèle qui est, je dirais, une clientèle qui est médicale. Et elle, c'est des clients et des clientes que si on ne les traite pas, ils vont avoir des problèmes secondairement donc à l'apparition ou à l'évolution de ces varices-là. Cette clientèle-là, là, elle demande vraiment à avoir une étude échographique approfondie de leurs problèmes. Puis il faut les traiter de façon assez agressive parce que cette clientèle-là, c'est elle qui va évoluer vers des ulcères lorsqu'ils vont avoir 60, 70 ans, 75 ans, à la partie intérieure de leur cheville. C'est cette clientèle-là qui va avoir beaucoup, beaucoup d'enflure, beaucoup, beaucoup d'inconfort. Parce que les varices sévères, ça crée ce qu'on appelle une cascade inflammatoire au niveau du membre inférieur. C'est ces gens-là aussi qu'il faut traiter, puis il faut les traiter de façon agressive pour prévenir donc les développements qui sont très morbides des varices. On fait aussi la prescription et la mesure pour les bas supports qui vont être une belle prévention donc chez tous les travailleurs, toutes les gens qui souffrent de varices pour la morbidité, puis les complications et l'inconfort qui est secondaire aux varices. Chez Dermapur, on s'occupe de ces deux types de clientèle-là sans problème.